Yep, les gens, c'est Vertius et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Dokuston. J'espère que vous allez bien. Donc, juste avant de commencer la vidéo, je vais vous faire remarquer que j'ai une toute nouvelle introduction. Donc, j'ai enfin fini tout le design de ma chaîne. Enfin, l'introduction n'est pas totalement finie, donc dites-moi dans les commentaires si elle vous plaît. Alors, moi j'adore la musique qui accompagne cette introduction, mais le seul problème c'est que j'ai pas réussi à installer tous les effets, tous les plugins sur After Effects parce que je ne les trouvais plus et si je ne me trompe pas, ils les avaient supprimés parce que le créateur, celui qui gérait After Effects, ces effets-là ne le plaisaient pas, donc je trouve que c'est assez dommage parce que j'ai réussi à avoir la version 2017 et c'est assez dommage que le mec ait supprimé certains effets, ce qui fait qu'on ne peut pas récupérer toutes les introductions et tous les plugins. Donc pour cette introduction, je vais essayer de faire mes propres effets et ça va être assez compliqué, mais peut-être que dans maximum un mois, j'aurai finalisé cette introduction. Donc dites-moi dans les commentaires si elle vous plaît et aussi commentez tout le design de ma chaîne que j'ai fini depuis ma dernière vidéo. Donc normalement, comme vous savez, je devais vous upload les 5 parties du concours 5 millions de KM à gagner. Le problème, c'est que j'ai tout laissé, j'avais tout pris sur ma clé USB de l'ordi de mon père jusqu'à chez moi. Et le problème, c'est que tout simplement, en fait, je n'avais pas la même version de Camtasia Studio et je ne sais pas laquelle j'ai. Et du coup, les enregistrements ne sont pas compatibles, alors je ne savais pas ça, donc c'est assez dommage. Du coup, je dois attendre de retourner chez mon père pour récupérer tous ces enregistrements, donc excusez-moi si les concours mettront plus de temps à sortir que prévu, mais vous inquiétez pas, maintenant je vous ferai des astuces Kama et peut-être que je vais retourner un peu sur l'officiel pour vous faire des astuces et du coup cassage de home. Pour ceux qui veulent savoir, je suis sur Curie, j'ai un lieu au niveau 200. Donc, voilà. Du coup, le sujet de cette vidéo, c'est la vente de ma guilde à 12 millions de Kama. Donc, je suis super content d'avoir vendu à Munsterman, parce que c'est vraiment super ce mec. Il a sa troisième guilde, je crois. Bon, après, c'est aussi pour l'élevage. Ma guilde est aussi niveau 40 avec 33 membres, avec un bon level moyen qui est niveau 113. Et avec une alliance, avec l'alliance Flow, qui a déjà quelques prises, mais qui est vraiment une bonne alliance. Donc, je pense que 12 millions de Kama, ça valait le coup. Au début, je voulais la vendre 15 millions, il m'a dit 10 millions. On a négocié jusqu'à 12 millions 5, puis on est descendu à 12 millions, j'ai accepté et je l'ai vendu. Il m'a mis bras droit, donc ça c'est pas mal du tout. Il m'a laissé bras droit de la guide, il a laissé les rangs que j'avais mis. Je lui ai passé la petite fiche que j'avais fait, si vous me suivez depuis quelques vidéos, j'avais fait une petite fiche sur ma guide pour savoir, pour tous les rangs, pour savoir si vous vouliez savoir quel rang vous devez être, il fallait avoir un grade XP. Et il a remis tout ça, il a regardé la fiche. Il a refait tous les rangs que je n'avais pas fait depuis plusieurs semaines puisque j'ai arrêté le serveur. Donc ça c'est vraiment cool de sa part. Du coup je vous avais donné à peu près tous mes kamas. Je m'étais refait jusqu'à 700 000 kamas parce qu'il me reste 100 000 kamas en un jour ou deux. Et puis j'ai décidé de vendre ma guide tout simplement parce que je n'en avais plus l'utilité comme j'ai décidé d'arrêter le serveur. Et je me suis dit qu'avec 12 000 kamas ce serait bête d'arrêter. Et du coup tout simplement j'ai le projet de quand il y aura la mise à jour de Forge Magie. Où il y a le pourcentage des runes, ça c'est sur l'officiel, mais un jour s'ils suivent le jeu, il y aura cette mise à jour et ça sera pas mal du tout parce que je vais me faire énormément de kamas. Si vous avez vu, j'ai fait une vidéo dessus il y a à peu près un an et j'étais parti avec 4 millions de kamas et en une semaine je m'étais fait 50 millions de kamas avec mon ami Nicolas, donc dédicace à lui et c'était vraiment une super astuce. La forge magie en pourcentage, c'est vraiment un énorme moyen de se faire du kama. Il faut juste bien gérer ça. Je vous en ferai plein de vidéos quand la mise à jour sortira. Du coup, merci encore à Munsterman qui a laissé tous les membres de la guilde qui ne quittent pas l'alliance, qui me vire. Ben, en fait, toutes les autres personnes qui voulaient me l'acheter, ils voulaient me virer tous les membres, me virer moi. Enfin, j'ai préféré quelqu'un qui garde tous les membres et qui me garde Bardois. Donc, merci beaucoup à lui. Il n'aurait pu ne pas le faire. Donc voilà. Donc maintenant j'aimerais passer à un deuxième sujet sur la vidéo pendant que vous regardez l'achat des 12 millions de Kama et toute ma conversation avec Munsterman etc. Et aussi dédicace à Royal qui est dans la guilde et avec qui je parlais pendant ce moment là. Donc le deuxième sujet ça va être une arnaque. On peut pas dire vraiment que c'est une arnaque, c'est une faute de ma part, mais j'aimerais quand même faire remarquer que cette personne est vraiment un rat parce que vous pouvez me dire dans les commentaires que ça se fait pas de dire le pseudo de la personne, mais je trouve qu'une personne qui réagit comme ça, elle mérite de se faire harceler sur le jeu et qu'on lui pourrisse ses journées de jeu, parce que vous voyez, moi je donne 5 millions de kamas, il y a des gens qui arnaquent comme ça. Donc par exemple, en fait, j'ai essayé de me refaire des kamas pour vous faire encore plus de kamas et vous faire des concours quand j'aurai environ 30 millions de kamas, et du coup je me fais des petites offres en or, ça marche pas mal du tout, j'achète un bon écho à
1 800 000 pour le revendre à 3M2, donc ça c'était pas mal du tout. Et ensuite je vois qu'il y a des griffes roses, le craft était à 200 000 Kama et en HDV elle valait 500 000 Kama U. Donc qu'est-ce que je fais? J'en crafte 3 et je fais une astuce que je vous montrerai prochainement, que j'avais déjà montré sur le serveur officiel. C'est je craft et je revends en offre en or, plus cher que mon craft, mais c'est quand même une offre en or comparée à l'HDV. Donc je lui revends une première griffe rose à 300 000 Kama, ensuite je lui dis que j'en ai encore deux autres. Et là, comme un mongolien, je lance l'échange, je mets mes deux griffes roses et je ne fais pas attention, je regarde même pas qu'il est Kama. Avec l'habitude, je clique deux fois sur les griffes roses et je fais valider. Lui, il valide instantanément. Il m'ignore dans le groupe, je lui dis désignore-moi, sinon je balance mon pseudo sur YouTube, etc. Il quitte le groupe, il dit je m'en fous, c'est pas de ma faute, c'est un gros con qui accepte l'échange pour de griffes roses. Donc ça peut paraître drôle, mais je peux vous dire que quand vous craftez pour 700 000 Kama de griffes roses, que vous voulez vous faire 200 000 de bénéfices et qu'involontairement vous acceptez et vous perdez vos deux griffes roses, c'est assez chiant, surtout que vous voulez refaire des Kama pour faire des vidéos, c'est vraiment chiant. Du coup, voilà, donc son pseudo c'est Flakes, F-L-E-Y-X. Donc essayez de lui mettre un peu la pression, peut-être qu'on réussira à regagner ses deux griffes roses, ça serait pas mal du tout. Je fais surtout ça par principe, j'ai 12 millions de Kama, donc je m'en fous un peu de griffes roses, je suis pas à 400 000 Kama près, mais c'est assez chiant les gens comme ça qui arnaquent pour aucune raison, c'est un jeu, ça sert à rien d'arnaquer, c'est pas le fruit de vous-même si vous arnaquez, c'est le fruit de quelqu'un d'autre que vous avez volé, donc personnellement je trouve que ça se fait vraiment pas. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je remercie encore Minsterman pour avoir acheté ma guilde. Donc si cette vidéo vous plaît, si mon commentaire vous plaît, la bannière, oui aussi, allez voir le design de ma chaîne parce que j'ai pas eu de réponse dans ma dernière vidéo. Mais dites-moi si mon logo, ma bannière, mon outro, l'overlay ce qui est autour de la vidéo et si mon intro, surtout mon intro qui est tout nouvelle. Dites-moi si elle vous plaît dans mes commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Ainsi, j'ai quand même eu 2-3 commentaires dans ma dernière vidéo, donc merci à tous ceux qui ont répondu et merci à tous ceux qui regardent mes vidéos et à tous mes abonnés. Donc allez, ciao ciao tout le monde.